Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un domaine dans Office 365. Lorsqu'une entreprise contracte un abonnement Office 365, elle devient locataire d'un espace privé dans le cloud de Microsoft, appelé Tenant. Le Tenant est un sous-domaine de onmicrosoft.com dont on choisit le nom à la souscription de l'abonnement. Ce Tenant permet à l'entreprise de bénéficier de toutes les applications du back-office, Word, Excel, etc., d'espace de stockage et d'un ensemble de services comme la messagerie Exchange Online et la gestion des utilisateurs et des groupes dans Azure Active Directory. Cette gestion des utilisateurs et groupes est par défaut complètement indépendante de votre Active Directory local. Un utilisateur créé sur votre Active Directory local s'identifiera sur votre domaine par exemple durant @tpe.lan, mais pour accéder au tenant Office 365, il devra d'abord être créé sur le tenant Office 365, une licence devra lui être affectée et il utilisera l'identifiant de connexion durant @matpe.onmicrosoft.com par exemple, ce qui n'est pas très souple pour l'utilisateur et en plus son mail durant matpe.microsoft.com n'est pas très représentatif de l'entreprise. Une première solution consiste à louer un nom de domaine auprès de OneN1, IONOS, etc. et d'ajouter ce domaine dans le tenant 365 et d'ajouter ce domaine comme UPN de votre contrôleur de domaine. Ce qui va permettre à l'utilisateur de s'authentifier sur votre domaine ou sur le tenant Office 365 avec l'identifiant durant @votre nom de domaine, ce qui est beaucoup plus simple pour l'utilisateur et plus représentatif comme mail de votre société. Pour la démonstration, j'ai préparé un contrôleur de domaine avec un domaine nommé tpe.lan. Dans son Active Directory, j'ai créé un ensemble d'unités d'organisation et choisi de créer un compte directeur. J'ai aussi une machine cliente intégrée au domaine. Et le directeur s'authentifie donc sur mon Active Directory local en utilisant son identification directeur @tpe.lan avec son mot de passe. Par contre, pour le moment, je n'ai pas créé son compte dans le tenant Office 365 et ne lui ai pas attribué de licence, ce que l'on va faire maintenant. Donc, depuis n'importe quel poste, je lance un navigateur Internet et vais me connecter sur mon tenant Office 365. J'utilise mon compte administrateur du tenant. Je vais me connecter à ma console d'administration du tenant 365 et je vais dérouler le menu concernant les utilisateurs pour aller créer un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton Ajouter un utilisateur. Je saisis ces informations et je vais lui imposer son mot de passe. Je vais le mettre exactement le même que dans l'Active Directory local. J'empêche l'utilisateur de modifier son mot de passe et maintenant je vais lui affecter une licence et le laisser comme simple utilisateur. Voilà, je passe au suivant et je rajoute l'utilisateur directeur. C'est fait, donc on va retrouver le directeur ici. Si je reviens sur la machine du directeur, il peut maintenant se connecter au tenant Office 365 en utilisant son identifiant de connexion qu'avec l'identifiant directeur @le sous-domaine que j'ai choisi sur le domaine onmicrosoft.com. Je clique sur Suivant et je saisis son mot de passe et l'on voit qu'il accède à son environnement Office 365. Mais il est obligé d'utiliser un autre identifiant que l'identifiant de son AD. La solution est donc d'acheter un nom de domaine. Vous en trouverez facilement sur IONOS, OneN1, etc. Pour faciliter la connexion des utilisateurs sur le domaine local ou sur le tenant Office 365, on va maintenant ajouter le domaine acheté sur le tenant Office 365. À partir de la machine de l'administrateur, je vais me connecter au tenant 365. J'utilise mon compte d'administration du tenant, saisis son mot de passe, vais chercher la console d'administration du tenant, je vais aller chercher les paramètres et domaine. Dans domaine, je vais cliquer sur Ajouter un domaine, je vais taper le nom du domaine que j'ai loué et cliquer sur Utiliser ce domaine. Pour s'assurer
que ce domaine est bien le mien, Microsoft me propose de rajouter dans les DNS de mon prestataire de domaine un enregistrement TXT. Donc je clique sur continuer et il me donne ici les informations à saisir dans le DNS de mon prestataire de domaine. Je vais donc me connecter avec un autre navigateur sur le site de mon prestataire de domaine et me rendre dans la partie DNS. La présentation de cette interface sera différente suivant votre prestataire de domaine. Donc dans la page de gestion des enregistrements DNS, je rejoins la rubrique des enregistrements TXT, clique sur le bouton pour en ajouter un. Dans Name, je choisis de saisir arrobase puisque c'est accepté par mon fournisseur et vais recopier la valeur donnée par Microsoft, MS égale MS 429 27 342. Je l'enregistre. Voilà, l'enregistrement est rajouté sur le site de mon prestataire de nom de domaine. Je vais retourner sur ma console d'administration du Tenant Office. Je vais cliquer sur le bouton vérifier, donc ce qui permet de vérifier que le nom de domaine m'appartient bien. Voilà, une fois fait, j'ai la possibilité de rajouter d'autres enregistrements pour bénéficier des services de Microsoft. Donc, je vais laisser ajouter vos propres enregistrements DNS, cliquer sur Traitement, et Microsoft va me donner un ensemble d'enregistrements à rajouter. Donc, on voit ici un enregistrement MX, on voit ici un enregistrement CNAME, un enregistrement TXT et d'autres pour Skype et Intune. Je vais la rajouter, tous ces enregistrements, sur le site de mon prestataire de nom de domaine. Alors, sur le site de mon prestataire, je vais rajouter tous les enregistrements. Donc, il y en avait un de type CNAME de nom AutoDiscover avec le CNAME correspondant autodiscover.outlook.com. Je le rajoute et procède ainsi pour tous les autres enregistrements. Je reviens sur ma console d'administration du tenant Office 365 et maintenant que j'ai rajouté tous les enregistrements donnés, je clique sur Traitement. Les enregistrements DNS sont vérifiés. Voilà, donc c'est passé. Je vais cliquer sur Fait et nous voyons que notre domaine loué a été rajouté. Une fois le domaine rajouté, on va venir chez les utilisateurs du tenant et on va modifier son identifiant en modifiant le suffixe en choisissant le nom de domaine personnalisé. Je clique sur Fait et j'enregistre les modifications. Voilà, je ferme la fenêtre, je contrôle que la modification a bien été prise et je retourne sur le PC du directeur pour tester ma connexion à l'Office 365 avec ce nouvel identifiant. Donc, directeur sur mon nouveau domaine. Je m'identifie avec son mot de passe. Donc, nous voici sous le compte du directeur avec le bon nom de domaine. Maintenant, pour l'identification avec ce nom de domaine sur l'Active Directory local, je vais repasser sur le serveur. Je vais aller chercher la console domaine et approbation Active Directory. Je vais aller dans les propriétés de domaine et approbation domaine Active Directory et je vais venir rajouter le nom de mon domaine personnalisé. Je l'ajoute, j'applique, je fais OK. Je vais maintenant me rendre dans ma console Active Directory. Je vais aller chercher mon utilisateur directeur et dans l'onglet compte, je vais modifier son UPN en changeant le suffixe. J'applique et je dis OK. Et on va maintenant vérifier sur le client du directeur la connexion avec cet identifiant. Voilà, nous pouvons voir que la session s'ouvre avec ce nouvel UPN. Donc, grâce à l'ajout d'un domaine dans le tenant Office 365 et l'ajout d'un UPN dans l'Active Directory, nous venons voir comment simplifier la connexion des utilisateurs à la fois sur le domaine local et dans le tenant 365.